n'a pas toujours été le cas pour Zerocki. Premier match, j'ai entendu beaucoup de choses sur lui. On a souvent cette tendance, je ne parle pas de vous, hein, je parle de l'ensemble de la presse, voilà, qui s'est... des mots pas très sympas pour un joueur qui venait d'arriver. Bon, le plus important, c'est que nous, on a des convictions, on sait à qui on a affaire, on sait ce qu'on fait, on sait qu'on l'avait observé pendant longtemps. On ne prend pas les joueurs comme ça, la première ou deuxième performance, ou parce qu'il est algérien tout simplement et qu'il joue dans une équipe. C'est pas comme ça que ça se passe. L'équipe nationale, ça se respecte. Donc on sait un petit peu ce qu'on fait. Il va prendre de plus en plus d'assurance et voilà, au contact de ses partenaires, voilà, développer encore plus d'acuité, de relations, d'automatisme avec eux. Donc ça prend encore un petit peu de temps. Il en est, quoi, je sais pas, 4e match, 5e match, quelque chose comme ça. On n'est pas dépassé les 5 matchs, je pense pas. Donc c'est déjà très bien. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui a une belle culture tactique. Il a été formé à l'Ajax d'Amsterdam, donc c'est déjà un avantage. On parle le même langage, il comprend. Quand je dis langage, c'est le langage footballistique. Hein. Le reste, c'est pas très important.